Eh bien, bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur une nouvelle partie de ce Let's Play Pokémon version noire 2. On est dans une forme Olympienne. Ouais, j'ai forcé un petit peu cette intro. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis en forme, j'ai la patate. On vient de faire un unboxing pour ceux qui étaient sur le live d'une statuette Dracaufeu extraordinaire, magnifique. Je mettrai des photos évidemment sur les réseaux sociaux tels que Instagram en story. C'est la croix que j'ai décidé de porter et ce sera sûrement dans le best-of. On continue l'aventure, on est au quatrième badge. Surtout, on a fait évoluer, messieurs, dames, escroco. Donc, Aldé qui est 29, Ludocario qui est 29. Au final, c'est notre moustillon version Galar, vous souvenez, qui est le plus mal chaussé. À l'heure actuelle, on attendra sa prochaine évolution. Beaucoup de gens m'ont dit, retourne voir vos tutrices. Voilà, donc je vais le faire. Mais s'il n'y est pas, sachez que je vais péter un plomb, je vais quitter l'école, d'accord? Et ça va m'énerver. D'ailleurs, avant de faire quoi que ce soit, je me rends compte, puisque nous sommes en live, que j'ai pas modifié le titre, donc je vais le faire tout de suite. Je vais marquer Pokémon, Pokémon version noire 2, voilà. Pokémon, l'aventure Pokémon version noire 2. Je suis désolé, c'est les aléas du direct. Pokémon version noire 2. Et on envoie directement Pokémon Black and White, tout ça, la version 2, super. Eh bien, c'est parfait. Tac! On y va. C'était quoi le truc unboxé? Il sait pas. Il sait pas le man. Bah, si tu poses la question, c'est que tu sais pas. En effet. Bah tu verras, tu verras. Je t'invite à regarder sur mes réseaux sociaux, mon cher ami. Et tu vas vite t'en rendre compte. Alors, on s'était laissé ici. Alors, aussi, je sais que le dernier épisode vous a beaucoup plu, évidemment, parce que on a fait de la vanne. Moi, je suis un grand vanneur. Voilà. Et donc, on va retourner en tant que CEO qui s'appelle Step Bro. À la galerie Concorde. Oh, lui, on peut lui demander une boutique. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de bonnes boutiques. Snapfuck! Mais quelle chance de te croiser, Step Bro! Je suis ton plus grand fan, tu sais. Je vais l'inviter. Je vais le guider. Je vais l'inviter. Mon rêve pour cette galerie, ce serait qu'on y trouve toutes sortes de produits. Ouvre ta boutique. Snapfuck! Merci! On attend le Chibrax. Let's go, le mini-marché Génis Bazar a ouvert, très bien. Parfait. Alors, avant d'aller voir ce marché, mais... Oh, jure. On peut pas les rattraper, c'est vrai, j'avais oublié. Non, attends. Snapfuck? Quelle chance de te croiser, Step Bro. Je suis ta plus grande fan, tu sais. Oh, ils sont pas fichés sur les dialogues. Toutes sortes de produits. D'accord, ok. Snapfuck, merci. C'est quoi qu'elle va ouvrir? Un bazar aussi? Oh, mini-marché Jeanne. Ah, deux bazars, c'est peut-être un peu trop, non? J'espère que c'est pas trop. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers à ouvrir? Je sais pas. Oui, je vous rappelle que j'ai 30 ans, évidemment. Hein. C'est pour ceux qui se doutent, qui se douteraient pas, que je suis quelqu'un d'extrêmement mature. Évidemment. Alors, vos tutrices, aux dernières nouvelles, le man... Oh non, c'est vrai, j'avais oublié ça. Le man, il est là. Voilà, on passe là, on passe ici, on passe là. Hop, eux, on les a tous arrachés. Alors, normalement, vos tutrices, il est là. Il est ici. Comment ça, j'en fais trop? Enfin non, ça suffit. Par contre, je vais pas me faire baiser deux fois. Je me fais pas baiser. Moi, je me fais pas baiser, gros. Là, je sauvegarde. Ouais, mais les gars, on me la fait pas, moi. Mais je savais pas, en fait, que c'était un truc super rare la dernière fois. Hein. Quand je l'ai déclenché le combat. Vous me l'avez dit après, quoi. Vous avez tous hurlé, donc voilà. Il y a un monde où on va mettre tête devant. Ok. Et on va le cage éclair. Et on va espérer qu'on le one-shot pas. C'est parti. Mais Jiraya, vous avez une rage incroyable. C'est vrai. Et en plus, vous m'avez tous dit que c'est vachement bien comme Pokémon. Donc moi, je suis en full confiance. Vos tutrices femelles. Et on va lui casser la gueule, femelle ou pas femelle. Petit éclair dans sa mère. Quoi? Ah, ça a chié. C'est nul. Éclair. Ok, c'est super efficace. On va remettre un petit éclair. Là, regardez, je mets un éclair. Ça fait un coup critique. Et ensuite, je le paralyse. Bon. Il faut aucun effort, donc on va cage éclair. Et bah, c'est vrai qu'il est assez résistant. Ça a beaucoup de défense. De ma gueule. Bon, là, il se fout de ma gueule. J'ai envie de tenter l'éclair, mais la raison me dit j'ai des bols. Ok.
Franchement, une Pokéball, en une Pokéball, je le capture. Vous êtes prêts? One, two, three, tu es à moi. Petit problème de synchronisation. ça aurait été stylé, j'aurais écrit l'histoire, mais... Ok. One, two, three, tu es à moi. Bonsoir, merci à tous, merci. Allez, vos tutrices qui est ajoutée au Pokédex, évidemment, vous connaissez la chanson. Vos tutrices, le Pokémon Vostour. Il tournoie dans les airs en quête d'une proie sur laquelle il fondra avant de l'emporter avec aisance à son nid. Comment on l'appelle, vos tutrices? Ah bah oui, il faudrait avoir l'info, l'info là-dessus. Je suis dresseur. D'ailleurs, ça me fait mal que tu poses la question, Soda, parce que vous avez une émote. Vous avez une émote, c'est « Wham, je suis comme As avec une Pokéball ». D'ailleurs, elle n'est pas utilisée, cette émote-là. Vous me dégoûtez, hein. Bande de merde. Pardon, ça va? Bon, comment on l'appelle en vrai? On l'appelle Max. Max a toujours... En vrai, Max a toujours été mon Pokémon vol. J'ai envie de rester sur cette tradition. J'ai envie de rester sur... J'ai envie de rester... Vous utilisez une gueule à s'appeler Sylvie? Waouh. C'est dur pour vos tutrices, hein, quand même, je te trouve assez dur, quoi. Non, mais Max est bien. En plus, Max, le vautour. Ah non, ça va pas trop. C'est un jompi, normalement. Maxildan, Maxou, non. On va l'appeler Maxildan. C'est notre Pokémon vol, Maxildan, il me régale à chaque fois. C'est un ami. En plus, il m'a dit que c'est un Pokémon qui était fort, donc non, on va prendre. C'est une femelle? Oui, mais c'est ce que je dis, c'est Maxildan, hein, bon... Ça suffit maintenant. Vous avez pas vérifié. Alors que moi je dors chez lui tous les mardis. Des infos que vous n'avez pas. Allez, on y va. On trace, on va aller soigner tout le monde. Et on sera très bien. Tu peux utiliser vol, mais j'ai pas encore vol ici. Attends, je suis allé si vite que j'ai déjà vol. Ouah, j'ai vol déjà. Non mais attends, c'est trop. Déjà vol, mais je suis trop fort par contre. Sans faire le gars, je pense que je suis un des meilleurs dresseurs français. Sans faire le mec, encore une fois, mais ok, Maxildan. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va lui enlever à Maxildan? Maxildan, il a picor, machination, flatterie, feinte. Et alors il y a plein de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Stimule l'esprit par de mauvaises pensées, augmente fortement l'attaque spéciale, ok. Rend la cible confuse, mais augmente son attaque spéciale. Ah, mais ça, c'est à chier. C'est à chier parce que on est d'accord que quand le mec est confus. Il se tape dessus en physique, donc l'attaque spéciale n'a aucun sens. Là, c'est de la merde. Ça, c'est sa flatterie, ça a l'air à chier, sans faire le garde. Feinte, c'est quoi? N'échoue jamais, d'accord. Lanceur s'approche, l'air de rien. D'accord. Bah, c'est comme Vantardise, mais en nul, quoi. Ouais, c'est ça. Et Picor, on garde. Je vais enlever flatterie, moi. Pour vol. Ça va très bien. Salut, J, ça va bien lancer ce Pokémon Noir 2. Bah, écoute, tu arrives. Ça fait 8 minutes qu'on a lancé ce Let's Play, mon cher ami. Donc tu n'as rien loupé, on a fait autre chose avant, donc voilà, évidemment, nous sommes en live depuis plus d'une heure, mais Pokémon en vient de lancer à l'instant. Alors, on s'en va, on s'envole. Ah, changer clair à tête, oui, vous avez raison, c'est vrai qu'on l'a récupéré sur la dernière arène. Bien vu les amis. Surtout que c'est clairement pas dégueu. Allez mon petit Ted. Ouais, Ted qui va être à son prime aussi. Franchement, c'est une des rares fois où j'ai une équipe homogène en termes de level. Bélier, sport coton, cage éclair, éclair, sport coton, c'est un peu clacox. Hein. Ouais, je crois. Voilà, tu peux baisser sa vitesse, mais j'ai cage éclair, donc en sport coton, je m'en veux. Belle team. Oh, bel obito, merci. Ok, ça dégage. C'est good. Voilà. Non, je suis pas les soigner, pardon. Et on va continuer l'aventure, hein, tranquillement. Je sais même plus si qu'on était. On devait s'embrouiller. Oh non, c'était embrouillé encore une fois avec des man. On avait des Xari. Et là, on continue. Salut à toi, Tenchia. Salut à ceux qui rejoignent. Salut, j'espère que vous allez bien. Merci, Nkara, pour ton 7e mois. De suite, 8e mois au total. Merci, Laji. Ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas passé sur ton live. Ça me régale. Merci. Merci beaucoup. Merci, Lockstar. Merci, petit Mich. Hein, merci beaucoup. Évidemment. Vous avez vu alors donc les leaks là? Les leaks?
Vous êtes choqués par les leaks? Les leaks Twitch, là. Oh, ça fait grand bruit hier, hein. Oh là là, tout le monde parlait de ça. Oh, les leaks. Pff. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des leaks? Qu'est-ce qu'on a à branler, des leaks? Moi, j'étais super choqué. Le truc le plus important, c'était de savoir qu'il y avait une faille de sécurité, mais non. Je m'en remets pas. Zera le boss, même niveau leak. J'avoue que Zera a eu 44e world, hein. Pas dégueu le mal. Pas dégueu du tout. Est-ce que je laisse tête devant? Où est le multiplex? Il doit être sur Aldé. Je vais prendre. Ouais, j'en étais sûr. Je vais le mettre sur Ted. Mettre le multiplex. Ok. Et il est là. Il manque un Pokémon O, ouais, pour l'instant. Bon, après, on a Moustillon, mais bon, enfin voilà, c'est notre type de Moustillon. Merci, Taz Reload, merci. T'as loupé des trucs? Non, pas grand-chose, là, pour l'instant. On vient de commencer, donc pas de panique. Si vous venez de rejoindre, it's ok. Donc, je lui ai foutu, et en vrai, je pense qu'on va mettre notre Moustillon de Galar, ici. Et ce sera très bien. Choqué que d'honnêtes travailleurs en 2021 gagnent si peu. C'est vrai que c'est quand même abusé, merde. Oh là là. Ça me dégoûte. Ah oui, bon, c'est toujours la même chose. D'accord. Hey Link. Hey Link, man. Est-ce que c'est une dresseuse ou pas? Ok, non. Bon, run. Petit dresseur. Toujours pas. Ok. Écoutez, on va traverser juste ce pont. J'ai pas l'impression qu'on sera embrouillé. Bon, après, il y a toujours les petites plumes peut-être à récupérer, des petites choses, mais Osef un peu. Je pensais que t'étais top 10 streamer FR, moi. Oui, bah oui. Oui. Dans un monde où je stream, quoi. Parce que faut pas oublier quand même que je stream lundi, jeudi, vendredi. C'est pas mon métier, moi, de streamer. C'est pas mon métier. Rien à moi, je suis boulanger. Voilà, déjà faut savoir que les leaks n'ont rien à voir avec mon vrai métier. Moi je suis boulanger, donc oui. Moi je fais des pains au chocolat, ouais. Enfin moi j'appelle ça les chocolatines, mais bon. Ah, détrousser la veuve et l'orphelin comme au bon vieux temps. Il ne faut pas, ah oui, se battre Team Plasma. Vous devez sentir au fond de vous que le vol est un péché. Ah ouais, c'est la vieille Team Plasma contre la nouvelle Team Plasma. Je ne comprends pas que c'est nous qui avons raison. On veut conquérir le monde et ça y est, tout le monde dit qu'on est des méchants. Mais même si on quittait la Team Plasma, la société en serait pas moins laide ou moins cruelle pour autant. Alors autant voler du Pokémon à tir... Oh, il a placé à tir l'arigot. Et ça vaut en plus, hein, ça. Au moins, tous ces gens avec un cœur laid et froid seront forcés de nous admirer. Enfin, frérot, tu es cringe. Vous vous rendez compte de la peine que vous infligez au Seigneur? Mais oui, le Seigneur N qui nous a dit adieu. Oh... Qu'est-ce qu'il va faire ici, ce sale traître qui s'est prétendu roi? Par contre, parle mieux de Anne. Parle mieux. Oh, c'est Xari. Mais, qu'est-ce qu'elle me veut, la demi-portion? Épargne-moi ton cinéma. T'as de la chance qu'on m'ait interdit de faire du grabuge. Mais là, il sait pas à qui parle. Là, il parle à Xari. Xari, c'est du top 200. C'est 505k, les gars. Oh, les gars. Vous savez à qui on parle? C'est un demi-million, le mec. Oh, tu auras droit à ta fessée la prochaine fois. Je t'interdis de partir, sale froussard. Tu sais pas qui je suis Xari. Oh Xari. Mais la Team Plasma s'est scindée en deux factions il y a 2 ans. Ceux qui voulaient sauver les Pokémon, comme le demandait Seigneur N, et ceux qui voulaient toujours conquérir le monde mené par Ketis. Mais bon, si vous voulez plus de détails, passez nous voir directement. Nous sommes installés dans la maison sur la promontoire. Oh, tu sais, ils sont devenus sympas, les mecs, quoi. C'est ça qui me termine, quoi. Oh là là. Avec 500k, il devrait le retrouver son chaque livre. 500k. Non, c'est vrai que les sommes font tourner la tête, quoi, en 2 ans. Bon, il y a des mecs, moi je connais pas trop, tu sais, le game Twitch, on va dire, worldwide. Et XQC, là, 750 000 dollars septembre. Putain. Ah ben moi, j'ai fait un don, hein, je suis allé sur son live. Bah j'ai dit, frérot, je sais pas comment t'arrives à finir tes fins de mois. Le Pokémon de l'orage et celui du vent faisaient des bêtises et le Pokémon de la terre... D'accord, ok. Après, bon, il est aux États-Unis, quoi. Il aurait pu être à Malte. Est-ce qu'on a autre chose ici? Le monde du conseil de quête, tu sais qu'ils sont super forts. Bah bien joué, parce qu'il faut tous les badges, en fait. Je vois que ça a les infos. Les infos sont données. Complètement oublié à quoi ressemblait le hangar frigorifique. Ah oui, c'est en bas. Il y avait vraiment bagarre. Ouais. Roi de tout top 100, ouais, on va essayer quoi. Enfin, faudrait que je stream plus quoi.
Faudrait que je stream plus, faudrait que j'ai genre en perma genre 10 000 subs quoi. Putain, ce serait juste dingue. Non mais en vrai on rigole, mais moi j'avoue c'est pas mon... Twitch, c'est bon, je me permets quoi, c'est juste à côté quoi. Moi je bosse surtout plus pour le stream quoi. Le stream, heureusement que vous avez pas mon CA quoi. C'est un CA à 9 chiffres là, quoi. Donc, oui parce que je vous ai pas dit mais moi je suis payé en dinars chez le stream. Je trouve ça très raciste mais bon c'est pas très grave. Le mec qui crée des polémiques. On a commencé à percer un raccourci pour rejoindre le Mans Forêt, mais on est loin d'avoir fini. Ok bro, je peux passer? Non, bah, je peux même faire foutre aussi. Superbe. Imagine t'es payé en dinars gros en France. Tu dois ululer tout en miaulant. Oh là là, mais tout est fermé. D'accord. Il y a plein d'items intéressants. Oui, bah d'ailleurs, tu fais bien de me le rappeler parce que j'ai le cherche-objet. Je devrais peut-être le... Ouais. Ah, c'est en bas. Mais je peux pas descendre, donc ça sert à rien. Ouais. Ou imagine, je suis payé en poké-dollars. Ouais, c'est du yen, quoi, au final. Là, on est où? Marché du Poyo Neuve. Lui, il veut quoi, le man? Il va redescendre au bout d'un moment. Je suis le Play Bad Boy. Oui, mais je t'ai déjà arraché, mec. Non, je pense avoir plus. Merci. Ok. Donc, je suppose qu'il faut aller là, quoi. Ok. Il y a des choses à dire. N'importe quel Pokémon ne peut pas prendre n'importe quelle capacité. Wow! Putain, heureusement que j'étais assis, parce que là, c'est de la reveal, hein. La révélation est dingue. Dresseur, oui, c'est moi. J'ai un Pokédex, d'accord. Oui. C'est un Pokémon connaissant frustration que je veux voir, s'il vous plaît. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Le Supraluxionov. Nous n'avons plus une seule chambre disponible. Vous êtes libre de profiter du reste de l'hôtel. Okay. On va aller visiter cet hôtel. Il y a peut-être de la dingue à faire. Je vais aller au 18e. Si tu peux pas aller aux autres, tu peux aller jouer au 18e et 22e. Ce qui est très bizarre. Est-ce que c'est un hôtel avec des dresseurs? Non, j'ai pas l'impression. Champion de Rennes met en vie, un planning vraiment serré, elle n'a pas le temps de se perdre. D'accord. Mais. Y'a rien à faire ici? Je suis peut-être pas au bon étage. Peut-être qu'il fallait que j'aille au 22. Peut-être qu'il faut que j'aille au 22e. C'est parti. Ok. Ah lui, le mec a carrément un appart-hôtel, quoi. Une visite inattendue? Alors voici un cadeau inattendu. Une pierre stase. C'est à quoi la pierre stase? Quels que soient les ordres qu'on reçoit, il faut pouvoir y répondre rapidement. Ah, c'est une leçon que m'a enseigné mon père. Waouh, merci mec. Bien écoutez, j'ai passé un super moment dans cet hôtel. Ayesh. Non, ils ont pas de porte hein, dans leur hôtel, d'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai que tu fais bien de le remarquer, parce que pour accéder à sa chambre, c'est l'ascenseur. Donc si un mec se trompe, que t'es en train de faire une dinguerie, il est en full pignolage, c'est dommage. Ah, ça empêche d'évoluer. Ouais, enfin, sinon, je peux pas appuyer sur le bouton B, quoi. C'est juste c'est juste pour éviter de se taper l'animation à chaque fois. D'accord. Pas d'embrouille. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, d'accord. J'en ai rencontré combien? Pas 70. Vu qu'il m'a rien donné. On est à combien? On est, c'est marqué où? C'est pas marqué? À combien de Pokémon on en a rencontré au total? Ah si, pardon. 67! Je suis abattu. Il m'en manque 3 et il me donnait un super cadeau. Putain. Quel cauchemar. On va aller au 13e. Moi ouais, je visite un peu la ville, hein, je me permets, d'habitude on rush et tout ça, ouais, j'ai envie de me promener quoi. Rien du tout. Surtout que je pense qu'on va devoir aller voir la team Plasma. Alors les enfants, qu'est-ce que vous faites? Oh là là, ils vont me parler des communications sans fil, je m'en vais, je quitte le pays. On va aller plus haut. Oh les gars, on a le droit de se détendre un petit peu quoi. Je vais aller voir la team Plasma, oui bah 2 secondes. Je regarde s'il me donne pas des dingues. Apparemment non. Pour l'instant on a récupéré une pierre stase. Hein. C'est vraiment notre seul butin quoi. Merci. Allez, on arrête. On arrête le let's play, je parle à chaque PNJ. J'arrête tout de suite, je me casse. J'en ai ras le cul. Ah putain, je vous jure.
Voilà. Bon, ils sont où les man d'ailleurs? Attends, la musique commence à me stresser un peu. Je peux mentir. La team Plasma. Ils doivent être là-dedans, non? Ok. Qu'est-ce qui se passe? La Poké Race hier. Oh ouais, c'est vrai que j'ai pas fait de début de cette Poké. C'était vraiment cool. C'était organisé en grande partie évidemment par Bitel qui m'a chauffé après pour les 20 ans. C'est moi qui ai proposé la version parce que la troisième génération, c'est quand même ma génération de cœur, ma génération préférée. Et moi je lui avais dit, franchement, j'ai vu un Américain qui fait un truc en mode bingo et tout pour des speedruns. Donc rien à voir, tu vois, avec Pokémon en général. Mais j'ai dit, ce serait pas mal d'intégrer ça à une Poké Race, ça pourrait être vraiment, vraiment drôle, quoi. Et donc on a travaillé là-dessus. Fukano nous a filé plein de listes de défis, etc. Trop, trop cool. Et franchement, c'était bien. Il y a plein de choses à améliorer. Et j'avoue que vous avez été nombreux à donner vos avis en disant bah voilà, j'ai bien aimé, c'était kiffant, peut-être ça a modifié. C'est dur parce qu'il faut vraiment tout suivre en même temps. Il y a 4 POV, il y a 36 défis, donc fallait s'en sortir. Mais moi j'ai grave kiffé et surtout les participants ont tous kiffé, même ceux qui n'ont pas l'habitude de Pokémon comme Ponce et Étoile qui jouent pas forcément à Pokémon. Et moi j'ai trouvé ça très cool, quoi. Une petite grosse racine, merci. Je veux une revanche pour Ken Ponce et Étoile. Ah, écoutez, il y aura des nouvelles choses. En fait, le but avec cette Poké Race là, donc cette version bingo, c'est qu'on a fait la première, essayer de s'améliorer évidemment à chaque fois. Et le but c'est d'en faire 4 pour qu'il y ait 4 gagnants et que ces 4 gagnants se retrouvent sur une finale avec chacun vient avec leur badge, tu vois, il vient avec son badge. Et c'est en mode le conseil 4, tu vois. Et ils viennent s'affronter, nous sommes les 4 champions. En gros, c'est les 4 champions, tu vois, qui se sont qualifiés et ils arrivent avec leur badge et ils remettent leur titre en jeu pour la grande finale sur la version bigo finale. Et je pense que ça va être trop trop cool. Pour ceux qui ont loupé cette Poké Race, elle est d'ores et déjà en rediffusion évidemment sur la chaîne, le stream Twitch, quoi. Mais j'y suis allé là ou pas? Et bref, ouais, il me raconte sa vie. Et elle sera en rediffusion sur YouTube pour ceux qui sont pas sub à la chaîne tout simplement. Ouais, il y aura la rediffusion sur YouTube. Ouais, c'est Guil qui a gagné du coup hier. Mais ça c'est... Franchement, c'était trop bien le système. Moi, j'ai grave eu raison, sans faire le gars, j'ai grave eu raison de pas donner les barèmes de points, etc. Machin. Comme ça, il y a le suspense qui est jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé ça trop bien de faire le vote du public aussi. C'était vraiment trop cool. C'était vraiment trop cool. Et on s'est régalé. Je sais que Bitel, il est trop content. Il a trop hâte la prochaine aussi. Donc voilà, et les gens ont bien aimé, quoi. Tu peux expliquer rapidement le principe de la Poké Race? Alors, la Poké Race en général, je ne saurais pas vraiment expliquer dans les grandes lignes parce que je n'ai jamais vraiment suivi. Mais cette Poké Race là, version bingo, en gros, 4 joueurs s'affrontent sur une version de Pokémon. Ils ont des checkpoints, donc ils font le fil rouge de Pokémon, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans l'histoire à la fin du temps imparti. Hier, c'était 2h30 du coup. Celui qui allait le plus loin gagne plus de points, quoi. Il y a un classement, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et donc, ça, c'est le fil rouge. Et tout au long de la partie, ils ont également des grilles avec donc un bingo. Ils ont 4 cartons. Donc 36 défis au total, hein, c'est divisé en 4. Et ces défis-là, en fait, s'ils les valident, ça, à la fin de la partie, ça leur donne des points supplémentaires. Et celui qui a le plus de points a gagné. Et la particularité, c'est que en effet, si quelqu'un valide un défi dans la grille, les autres ne peuvent plus le valider. Et comme il faut faire des lignes, des diagonales, des colonnes, etc. pour marquer plus de points, bah ça demande à être un peu stratégique, empêcher les mecs de faire des défis en leur piquant, etc. Bon, franchement, c'était cool pour ça, tout le monde a joué le jeu et on s'est vraiment régalé. Bon, en vrai, je sais pas où je dois aller, hein, parce qu'on rigole, mais on va peut-être se casser. C'est pas par là. Ouais, c'était juste par là, en fait. Ok. Merci. Pokéray, Gif, Hydronk, Zera, Jill, en vrai, ce serait trop cool. Ouais, mais on a plein d'idées d'invités. Hein. Là, la première, c'était Ken, Guil, Ponce, Étoile. Et il faut savoir que tout le monde donnait Ken gagnant. C'est Guil qui a remporté la victoire. Mais Ken a vraiment s'est fait. Guil a été meilleur hein, tout du long. On va pas être. On va pas mentir, quoi. Donc, on peut avoir des surprises. Et l'avantage du bingo, c'est que ça peut donner des surprises, etc. Donc, faut réfléchir un petit peu.
C'est très cool, c'est vraiment, vraiment très très cool. Moi je me suis régalé, j'espère que vous avez bien aimé hier. D'ailleurs si vous avez regardé, je suis curieux d'avoir vos avis aussi pendant ce live, en me disant bah voilà, j'ai regardé hier, il y a peut-être ça amélioré, ça c'était pas fou, ça c'était bien, enfin je sais pas. Merci, excusez-moi, merci nous la Manon, merci beaucoup pour le 23e mois, merci à Ichelion aussi pour le 3e mois, merci énormément. Non, je peux pas changer de Pokémon, je sais rien faire du tout. Je vais juste me pex même. Oh, l'erreur du Vivaldin, l'erreur! Genre, il est plus rapide que moi, ça. Ça me dégoûte. Oh là là, Gil gagne des trophées Pokémon et MK, le mec est injouable. Ah, il a été bon, il a été bon, Gil. Après, on l'invite sur des jeux qu'il aime bien aussi. Hein. J'avoue que si je le fais venir sur Smash, je suis pas sûr que ce soit le meilleur joueur. Tu vois? Mais sur Minecraft aussi, il est chaud. Enfin, je crois qu'il fait du Minecraft hein, de base, Guy. Super sympa, Guy. Moi, j'aime beaucoup. Il m'avait invité à un event Minecraft que j'avais pas pu faire parce que j'étais pas là. Je sais qu'on en a reparlé après l'event Mario Kart et il est chaud pour faire plein de trucs et tout. Vraiment, c'est vraiment un good guy, Guy, quoi. Oh, jure. Je t'arrache. De retour sur Pokémon, évidemment. Toujours. Ça record tranquillement. Je trouve juste que trouver un shiny alors qu'on est sur Emerald, c'est un peu bâtard. La version est buggée, donc quasi impossible d'avoir un shiny de manière totalement difficile. Ah bon? Ah bah écoute, ça c'est une info que je n'avais pas. J'avoue que c'est les trucs qu'on a fait en général et on trouvait ça drôle. Après, c'était plus une vanne de trouver un shiny, croiser un shiny. C'était plus une vanne qu'autre chose, hein, on va être très honnête. On s'est juste dit, putain, imagine ça arrive, c'est insane quoi. Enfin, en vrai, c'est genre foutre dingus quoi. La meilleure gêne choisie, juste 2-3 bingo, un peu impossible. Non, ouais, il y a eu quand même pas mal de bingo qui étaient complexes. Hein. Moi au début j'avais proposé les 10 000 Poké-Dollars et Beatle m'avait dit ouais, mais je pense que 10 000 c'est trop facile, etc. machin. Bah, 25 000 personnes a dépensé 25 000. Hein. C'était vraiment, vraiment trop quoi. Donc voilà, il y a eu des petites erreurs là-dessus, mais c'est normal, tu vois. Tu peux pas faire ta première d'une émission et faire un truc qui est exemple de tout défaut et qui est parfait. C'est pas possible. Quoi. Ok, d'accord. Shiny, ça valait combien de points? Je sais plus combien de points il y avait. C'était beaucoup. Ça doit être 10 points. Ouais, pareil, les points, c'était un peu difficile, quoi. Le barème. Là, on s'est rendu compte de... Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On saura pour la prochaine fois, tu vois. Ok. Pense qu'il chope un Tarsal Shiny, ça aurait été... Gros, pense qu'il chope un Tarsal Shiny et qu'il relâche son starter. C'était win. Parce que ce que vous savez pas, c'est que si Ponce avait un Tarsal, alors il allait relâcher son starter et il avait gagné. On a fait le calcul hier. Si c'était Ponce qui avait capturé le Tarsal, alors il aurait gagné. Vous vous rendez compte à quel truc ça se joue? Enfin, c'est incroyable. C'est juste fou, quoi. C'est que j'ai trouvé l'event génial, super bien pensé, le bingo. Peut-être essayer de faire un objectif sur le nombre de Pokémon capturés, comme l'a dit Ken. Ouais, on en a reparlé après, clairement. Parce qu'il y avait 18 Pokémon capturés, j'avoue que c'était... C'est vraiment dommage quoi, il s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose, mais non. Parce que l'idée de balancer des malus ou bonus dans des missions est bonne. Ouais, clairement. Après, ça on nous en a déjà parlé aussi, mais au début on voulait pas l'incorporer parce qu'on s'est dit ça va faire trop de choses d'un coup. Et si c'est à trop charger une émission, c'est pas forcément bon quoi. Oh. Le défi le plus hard selon moi, si on compte pas le shiny et ce qui était impossible. Franchement, le Tarsal était un peu chiant. Parce que c'est 4%. Et donc c'est long. Hein, c'est long, Tarsal. Ouais, j'aurais peut-être dit Tarsal. Tarsal, c'était quand même pénible. Et c'est ouf. Pour le storytelling, ce qui était ouf, c'est que les deux se soient retrouvés avec un Tarsal juste après, tu vois. Genre, étoile tombe enfin sur le Tarsal. Et derrière, Ponce, mais vraiment, deux Pokémon après, il a un Tarsal. Et là, c'était quand même dingue. Oui, un Pokémon de chaque type, vous avez raison, parce que type dragon tombait très, 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 très tard. Et non, là, il y avait des trucs vraiment trop compliqués, ouais. Je suis d'accord. Allez, peut-être qu'il pense en 25. Oh, la petite Boulélec. On est à combien de puissance sur Boulélec? Le lanceur envoie une boule d'électricité, si sa vitesse est plus grande que celle de l'ennemi, les dégâts augmentent d'autant. Ça vaut le coup du coup Boulélec sur Ted, étant donné que j'ai pas l'impression que ce soit un Pokémon hyper rapide quoi.
Ouais, ouais, on est d'accord. Hein. Donc ça vaut pas du tout le coup. Ouais, vraiment, il est là, ok. Merde, qu'est-ce que je fais, non ? Allez, ça dégage. C'est parfait. Désolé, madame ! Enfin, petite fille. Voilà. Mais bref, tout ça pour dire que j'espère que vous allez checker la rediff, si c'est pas déjà fait. Enfin, il n'y a pas de rediff, en fait, je suis en train de vous dire, la rediff sur YouTube, elle n'est pas dispo encore, mais elle sera dispo sur YouTube, sur le stream replay. Mais si vous l'avez pas vu hier et que vous êtes abonné à le stream, vous pouvez aller la checker également. Et franchement, je suis curieux d'avoir vos retours, même en commentaire YouTube ici, hein, tu vois, ça se prend aussi largement. Mais c'était un plaisir à organiser, quoi. J'avoue que j'ai vraiment kiffé la soirée, c'est très bien. C'est bien de le faire toute une après-midi. C'est pas toute une après-midi, mais il faudrait faire toute une soirée. La prochaine fois, en gros, faudrait qu'on fasse, vous savez, comme ce que j'ai fait pour l'event Mario Kart. À savoir que, bah, comme on n'a pas de programme après, eh bien, on peut prendre toute la soirée. Le truc, ce qu'il faut savoir là-dessus. Oh, un carabing! C'est moche, un carabing. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a les techniciens qui sont là depuis tôt le matin, quoi. Donc, ça, il faut le prévoir avant et leur dire, écoutez, ça finira à telle heure, etc. Tu peux pas sur le coup dire oh bah vas-y on rajoute du temps et tout. C'est pour ça que je me suis permis pendant le truc de dire bah les gars écoutez est-ce que ça vous dérange qu'on ajoute un peu pour les mecs et tout. Parce que moi je m'en fous, quoi qu'il arrive j'ai de la route après. Vous voyez hier je suis rentré chez moi c'était 3h du matin parce que bah j'ai de la route, je m'arrête de charger. J'avais plus de batterie en plus hier, en fait je recharge de ouf. Je suis arrivé au superchargeur, j'avais 2%. Donc voilà, moi je m'en bats les couilles, ça change pas grand chose. Mais moi je pense avant tout, encore une fois, et pour moi c'est très important dans le métier qu'on fait, c'est vraiment nos techniciens, quoi. Nos techniciens, la régie, les gens qui vont... Mais c'est con, mais les gens qui vont juste tout enlever, le plateau. Parce que nous, une fois qu'on a fini le plateau, bah, moi, je vais boire un coup et puis je rentre chez moi. Mais les mecs qui sont derrière, ils n'ont pas fini leur soirée. Faut tout enlever pour que la salle elle soit vide pour demain, tu vois. Donc, le soir même, ça débarrasse. Donc, voilà. Voilà pourquoi, hier, j'ai posé la question. Rizzo a demandé... Les gens étaient chauds, donc... Franchement, quand c'est comme ça, c'est super. C'est important, les amis. Technicien. Ok, c'est pas là. Oh, je l'ai pas eu, putain. J'ai pas un item ici. Un peu court, je trouve, ouais. Mais on sera pour la prochaine fois. Donc, je pense que la prochaine fois, on essaiera de faire durer au moins 3h30 de temps. Donc, ce qui rajoute 1h30. Et je pense qu'en 3h30, tu peux faire déjà beaucoup plus de choses. Voilà. Comme ça, tu sais, tu commences à 20h30, tu peux faire des pauses entre. Tu commences à 20h30 et tu finis quasiment à... Enfin, tu finis à minuit, quoi. Tu vois, donc c'est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être très cool, quoi. Ton émission React avec Zarine, masterclass de ouf. Ah, les gars. C'est vrai qu'on est bon, quoi. On va pas se mentir, on est chaud. Donc, c'est pas ici, ça doit être derrière, du coup. Je me fais chier pour rien. Merde. Ah, on est là. Mais oui, mais je me souviens de cet endroit avec les professeurs Folding, évidemment. Oui, j'ai vu la nouvelle évolution d'un sécateur. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez de cette évolution. Vous en pensez quoi, l'évolution d'un sécateur? Franchement, je la trouve vraiment pas terrible. Pourtant, un sécateur est un Pokémon qui a un flow monstrueux de base. Tu vois? Mais alors là, j'étais un peu déçu. Hein, non, franchement, j'étais un peu déçu. Et tu sais, c'est un peu la mode de cracher pour cracher sur ce que fait Pokémon Company, Arceus, machin et tout. Moi, franchement, je suis curieux, j'ai hâte de voir. Bah, j'ai des réserves comme tout le monde et tout ça, mais voilà. Mais là, le insécateur, moi, il me plaît pas. C'est les goûts, les couleurs, après, j'aime pas trop, quoi. Si j'ai bien compris, les grosses émissions, c'est le premier mercredi du mois. Techniquement, après, c'est un... On aimerait faire un gros prime sur le stream chaque mois, ouais, chaque mois. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai des idées de fou. Là, je suis content. On me relaisse un petit peu. Enfin, on m'a jamais empêché. Hein, mais quand je dis qu'on me relaisse, c'est parce qu'il y avait le Covid, vous savez. Et là, on nous permet de faire plus d'émissions. Et moi, j'adore les jeux télé. Et j'adore faire des adaptations de jeux télé dans le stream game. Donc là, j'ai vraiment envie de reprendre quelques petits trucs, quoi. Moi, j'adore les quiz. Ah, vous connaissez, j'adore animer des quiz. Ça, c'est vraiment mon petit peu. À tel point que je l'ai même mis dans le récap, donc ouais. Mais j'ai vraiment envie de faire de la pure dingue, quoi. Possible de lâcher un lien. Tu peux lâcher un lien dans le chat, gros. Y a pas de problème. Tu peux complètement lâcher un lien. Je vais juste ban, mais. À quand un prochain grand quiz? Je sais pas. Les grands quiz, vous savez, faut que ça se grignote.
Faut que ça se déguste. C'est mon émission banger. C'est ma signature, le grand quiz. Donc, tranquille. Allez, Carabing. Petite flamèche, on n'en parle plus. J'ai regardé Squid Game. Oh, mais les gars. Putain, mais ça, c'est un truc de fou, ça, Squid Game. Ouais, je rebondis sur ton message. J'ai regardé le premier épisode hier. Parce que je t'ai dit, j'étais au superchargeur. J'arrive avec ma voiture. Je vois que j'ai 2%. Donc je me charge, je me dis 2%, vas-y, tu sais quoi, je vais charger de ouf. Je vais me regarder un épisode entier, je me dis qu'est-ce que je peux regarder. Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde casse les couilles avec Squid Game, machin, naninana. Gros, j'ai regardé le premier épisode, je t'en mode, ouais, c'est pas mal. Mais après, bon, c'est le premier épisode, donc moi je me fie pas, tu vois, qu'au premier épisode, on verra par la suite. Mais bon, c'est un jeu de mort, quoi. Un dead game, un death game. Donc, mais pff, c'est juste que là tout le monde en parle. Donc, c'est bien de parler quand tout le monde parle d'une série et tout, ok, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que je vois que ça en permanence. Et Squid Game, et Squid Game, et Squid Game, Squirt Game. Frère, fous-moi la paix, c'est bon, j'ai compris. C'est bah, ok, c'est bien, très bien. Oh la vache. Vivaldin, non, ça m'intéresse pas. Vivaldin, j'en ai un peu rien à foutre. Ok. Bon. Rien du tout. C'est ciao. Donc on est passé. Bon, je suis en train de faire le tour. On a toujours pas trouvé. Oh merde, ils nous emmerdent. La team Plasma. On a toujours pas chopé hein, pour l'instant. Les gens se rendent pas compte qu'en partant. On parle entre autres d'une série ou d'une autre, tu casses l'environnement. Oh, franchement, ouais. Mais on avait eu ce débat dans le récap une fois en parlant de. Je sais pas si vous vous souvenez, on parlait de Kaamelott. Et on parlait de des fans de Kaamelott. Et. Enfin, pour ceux qui étaient sur le récap. Et on parlait de ça avec Erwan. Et qui disait. Erwan, franchement, il fait le meilleur truc, quoi, pour te donner envie de regarder une série. Il te dit, gros, moi j'ai regardé ça. C'était vachement bien. Je te pitch le truc. Regarde. Et c'est tout, fin du rêve. Non mais là parce qu'en fait y a ça. Non ta gueule. Juste moi j'aime bien. Franchement regarde, je te conseille. Voilà et c'est tout, ça s'arrête là. Alors que les gens qui viennent te casser la tête en permanence. Et vas-y que si, et vas-y que ça. Et c'est toi. En fait moi c'est simple, plus j'entends parler d'une série, plus ça commence à me péter les roussons. Si j'en entends parler pendant 2 jours, ok, y a une hype et tout machin. Mais là Squid Game, frère, tout Twitter, y'a que des trucs sur Squid Game, tout YouTube. Et les mecs commencent à faire des vidéos, les secrets cachés de Squid Game, machin de Squid Game, le truc de Squid Game, les costumes de Squid Game pour cette pour Halloween, les. Oh là là. Ouais, fous-moi la paix. Chiant. Par exemple, Punisher, c'est différent, mais j'ai beaucoup plus kiffé que Squid Game. Ça n'a rien à voir, tu parles de The Punisher. La série n'a rien à voir, hein, si jamais. le mec en. Ouais, Squid Game, alors moi par contre Breaking Bad, j'ai trouvé ça bien meilleur. Bon, rien à voir, mais mais vraiment dans le même pas le genre, je vous conseille. Mais bon, bref, en tout cas pour pas mourir bête, évidemment, j'ai commencé Squid Game hier. Voilà, parce que moi je doute pas que c'est une bonne série. Mais est-ce que ça vaut tout le ramdam qu'on fait dessus? Je sais pas. Je me pose la question. C'est tout. J'ai pas regardé Alice in Borderland. Apparemment, c'est pas mal. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air sympa. Oh, 2 fois, fais un effort. Hop, un petit peu de reste. Et ça se discute. Une petite vive attaque et on en parle plus. Ouais, en fait c'est tout en général. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est pas que. Tu sais, souvent les gens, tu dis non, bah, vas-y, ça me saoule. Les gens sont en mode, ah ok, tu veux faire le marginal quoi. Tout le monde dit que c'est super bien et toi tu veux faire le gars un peu woke qui. Bah non. Juste, je m'en branle de ta série. Si je regarde et que c'est bien, bah c'est bien, mais sinon. Ah d'accord quoi, je vois le genre. Ok, le mec dit qu'il a pas aimé Game of Thrones, quoi. Il veut pas être comme tout le monde, quoi. Le hipster, quoi. Waouh, super.
N'importe quoi, quoi. Complètement fou. Non, rien à voir. Oh, il peut pas attaquer. Bon, c'est quoi, je m'en vais. Je m'en vais, tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce qu'on va mettre devant? Je vais foutre Maxil Dan un peu, là. Un petit Maxil Fuck. Bref, je vais regarder et je verrai ce que ça donnera. Ouais, vous inquiétez pas, on va aller la chercher, la team plasma. Bah, je me permets de faire les dressoirs aussi, ça pexe un petit peu l'équipe. Rien de grand. Oh, un morpho. Voilà. Non, vous savez sur quoi je suis, moi, en ce moment? Je suis sur Lucifer. Voilà. On m'a beaucoup parlé de cette série en me disant que c'était pas mal et tout. Ça m'a... Franchement, ça m'a jamais attiré parce que dans ma tête, c'est en mode, oh oui, bon, bah, c'est une série policière, quoi. Et les séries policières, moi, ça me gonfle. Bah, franchement, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien. En fait, ma femme a commencé à regarder. Elle a fini la saison 1, elle était à la saison 2, machin, etc. Et quand je mangeais, je tombais dessus, tu vois, en regardant par pur hasard. Et à force de voir tout ça, bah, je me suis pris dans le truc et puis on regarde ensemble maintenant. Mais c'est vrai que j'ai loupé la saison 2, quoi, au final. Oh, la petite poudreuse qui va faire mal. Je le tue avec feinte. 100%. Ah, merde. Parfait. Maxi Dan, attention, hein. Heureusement que tu tankes, hein. Allez, Parasol Marlène, ça dégage. Du coup, Lulien, c'est le photo de la PGW 2013. Ah, d'accord. La PGW. Ah, c'était à l'ancienne. La PGW, on s'en souvient. Ah, c'est ici que c'est qu'elle nous soigne, je crois. La meuf. Merci. Plus Prime ou Netflix, du coup? Waouh, Prime. En fait, Prime, la dernière fois que j'ai ouvert Prime, ça devait être pour The Boys, hein, sans faire le mec. The Boys, il y a eu quelques... Si, non, je fais le mec parce qu'ils ont les saisons de Charmed, et nous, des fois, on se remate Charmed avec ma femme, voilà. Mais... Ok. Donc, c'est où, c'est là. Ok. J'ai de la protéine. Et Disney+, d'ailleurs, faut que je finisse What If. What If, j'étais en train de regarder, etc. Puis j'ai un peu drop parce qu'on est dans Lucifer et qu'on a beaucoup d'épisodes à regarder pour Lucifer. Donc voilà. Tiens, qui voilà-je? Elle est de retour! Si tu pousses les pierres qui flottent, elles bougent. Putain, j'ai l'impression de vraiment de rejouer au même jeu, quoi. Je suis sûr que cet endroit est plein de Pokémon qui aiment l'électricité. C'est parce que cette grotte est pleine de champs magnétiques qui s'opposent. Ça fait flotter certaines pierres. Mais ça veut pas dire qu'on peut déplacer tous les rochers, hein. Super, merci. Oh, moi aussi je t'aime, ma puce. Ça va? Tu fais quoi? Tu vas au dodo? Oh, t'as pris Melman! Let's go! Melman! Oh. Tu vas faire un bisou. T'as mangé quoi? J'ai mangé des patates, du poulet, des légumes. Oh. Et j'aime pas. Et c'était bon? J'aime pas les légumes, alors quoi? Bon, ça, t'aimes pas les légumes? T'adores les légumes, normalement. J'ai fait une croquette avec du poireau dedans, après. Ah, t'as tout mangé, maman, une petite coquette. J'ai mangé le dernier poulet, et après j'ai joué à la maison de Mickey. Oh, tu sens bon. Fais un bisou. Tu me dis bonne nuit. Je t'aime au cœur. À demain. Enfin, on va se croiser demain. Je me lève tôt. Très très tôt. 6h, je pense. Bah, il faut qu'à 7h, je décolle. On va chercher Jumpé. Eh oui. Je t'aime. Ah, c'est Michel. C'était mon ami Michel. Ah là 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 là. Elle me régale. T'as skip la reine? Non, bah oui, là je suis un peu trop avancé en effet, c'est ce que je me dis aussi. Je vais retourner en arrière pour aller chercher la team plasma.
Mais bon, on a déclenché quelques petits trucs, hein. C'est bon. C'est pas non plus catastrophique. Elle se couche à l'heure des poules. Bah, quelle heure il est? C'est 19h12, non? Après, c'est une enfant de 4 ans. Elle a école demain. Tu sais, moi, je mets un point d'honneur à ce que ma fille, quand même, se couche pas à 22h, quoi. C'est surtout qu'en plus, il faut qu'elle se couche tôt. Parce que... Non, je suis con, mais j'ai vol. Ma fille, elle s'endort pas du tout de suite. Elle met vraiment du temps à s'endormir, donc... Heureusement qu'on la couche tôt, sinon ce serait une catastrophe. Donc, ok, on est à Port-Yonneuve et on va aller chercher la team Plasma là. Elle doit être dans le coin. On a soigné tout le monde. Donc là, on peut pas y aller. Ah voilà, ils sont là. Sage Carmine, le dresseur est venu. Oh, le Sage Carmine. Pareil, c'est la Carmine Corp, les amis. Oh, vous voulez d'en savoir plus sur la Team Plasma? Si vous écoutez notre histoire, vous comprendrez mieux. Oh, les visiteurs sont si rares. Je m'excuse par avance, mais avant de vous laisser entrer, je dois savoir à quelle catégorie de dresseurs nous avons affaire. Oserais-je proposer un duel de Pokémon? Bah, bien sûr. En ce cas... C'est parti. Let's go. Ok. Ok, man. J'ai ton avis sur Invincible. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu Invincible, non, t'as raison. C'est Invincible que j'ai vu en dernier. Bah, j'ai beaucoup aimé, moi. Je trouve ça très, très bien, Invincible. Regardez en VF, d'ailleurs, puisque c'est Benoît Dupac qui prête sa voix au personnage principal. Invincible. Génial. Vraiment génial. Ça monte en pression. T'as hâte de savoir la suite. Ça m'a donné envie de lire les comics aussi. Donc ouais. Un pont chien. Est-ce qu'on irait pas chercher... Machination, c'est quoi, déjà? Ah, c'est attaque spéciale. Ah merde. Du coup, je suis un peu abattu là. Parce que vol, on est d'accord que vol est. Ah, fin de ses spéciales, je pense. Picor et vol, je pense que c'est physique. Alors que fin, ça doit être spécial, je pense. Non? Non, apparemment pas, non. J'ai pas d'attaque spé. Ouais, on est sur du full physique ici. Ouais, bien joué à moi. Allez, on va partir sur du vol. Et on s'envole! Tu as lu ou vu One Punch Man? Ouais, alors je me suis arrêté il y a un moment à One Punch Man. Il y a vraiment très très longtemps. Faudrait que je reprenne la vache, les dégâts. J'ai commencé chez Chainsaw Man, pour ceux que ça intéresse. J'ai acheté les 4 premiers tomes. Et malheureusement, comme je suis beaucoup en déplacement, j'ai pas eu l'occasion encore de les lire. J'ai commencé le premier tome. J'aime bien le délire. J'aime bien le délire, ça a l'air vraiment très sympa, quoi. Et boum. Ça tue pas... Et le bélier qui ne passera pas, je vais te picorer la gueule. Je te picore, mec! Voilà. Superbe. Non, il y a une série que je vous conseille qui malheureusement a été annulée. Ça me fait trop mal au cœur, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. Il a envoyé un Rhino Love, le bâtard. On va voir ce qu'on va lui mettre. Et c'est Deadly Class. C'est simple. Moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai plutôt bien aimé. Et c'est basé sur un comics aussi. Pareil, ça m'a donné envie de lire le comics. Donc. Écoutez, c'est un petit banger, quoi. Oh, le crève-cœur. Ah, chier. Oh, non. Bah, attends. D'accord, il bloque les capacités en commun, ça n'a aucun sens. Enfin, bon. Oh là là, c'est paralysé. Je sais, mais c'est l'Amérique. On l'a éclaté, quoi. Chainsaw Man, excellent. Tuerie, Chainsaw Man. Bah, trop cool, alors. Et il y a un anime qui va sortir dans pas longtemps en plus. Oh bah parfait. Ouais, j'avoue que j'ai le manga. Je me suis acheté aussi quasiment, et je dis quasiment parce que, en tout cas plus de la moitié, on va dire les trois quarts, sur un coup de tête, des Boku no Hero Academia. Parce que je suis la série, évidemment. Je suis abonné à tous les trucs de streaming d'anime du monde. Wakanim, ADN, il y a quoi d'autre, Crunchyroll, je suis abonné à tout. Je suis abonné à tout. Et là, en ce moment, je regarde pas beaucoup d'animes, d'ailleurs. Mais j'ai payé à l'année, donc tranquille. C'est Xari! Il s'est enfui. Vous êtes un ami? En ce cas, à point de manière. Ah, d'accord. Merci. Putain, il vient, il rentre avec nous. Oh là là, mais Xari! Et là, il se dit, mais je reçois quand même pas le top 200 Twitch dans mon manoir! Laissez-moi me présenter de la chef. Je me nomme Carmine. Carmine Corp. Vous aussi, vous êtes de la team Plasma? Et c'est quoi alors la différence avec les sales types de tout à l'heure? Pour être exact, nous sommes l'ex-Team Plasma.
pour expier, si telle chose est possible, nos crimes commis il y a 2 ans. Nous prenons grand soin des Pokémon séparés de leur dresseur. Et vous êtes ? Moi, c'est Xari. Xari de Pavonnet. Retenez bien, je suis un dresseur sans pitié. Parce qu'il y a 5 ans, ma franchine elle s'est fait voler son Pokémon. Elle a été séparée de lui, comme vous dites. Par vous, la Team Plasma. Je m'appelle Xari. Je te prie de m'excuser, quoi. Et je dois te contenter de ça? Je t'ai pas faisé. Il est un peu extrême, Xari. Moi, je le trouve dans cette version. Et le Pokémon de ma franchine, alors? Il est où, le Sacripant? Où? 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 Je dois avouer qu'il n'est pas ici. Je crains que la Team Plasma ne soit en train de l'exploiter, hélas. Et comme tu l'exprimes de manière fort explicite, mes excuses ne résoudront rien. Mais il n'est possible d'avancer qu'en reconnaissant clairement ses torts et en demandant le pardon. Ça suffit, vos salades. Qu'est-ce que ça va me faire, vos excuses? Qu'est-ce que ça peut me faire, vos excuses, s'il n'est pas là, le Sacripant? Gigi, je me casse d'ici. Je me casse d'ici. Je me casse, moi, d'accord? Je vais à l'arène. Je vais devenir plus fort, comme ça je pourrai tous leur démonter la tête à ces sales types de la Team Plasma. Il est énervé, mesdames et messieurs. La Team Plasma, c'est à cause d'eux que des jeunes comme lui... Ah, je regrette tellement! Si vous saviez comme j'ai honte. Gigi, comme tu peux le constater, je ne peux hélas rien t'offrir. Au contraire, j'ai une requête à te formuler. Pourrais-tu prendre soin de ce petit Sorua? C'est quoi ça? J'ai mis oui par... Je sais pas pourquoi. C'est bien, c'est de la merde. Ce petit Zoroia m'a été confié par le seigneur N afin que j'en prenne soin. Et l'entoure... D'accord. Tu vois? Résumé. Ah, c'est pas... Ça ressemble à... c'est pas le truc Zoro Arc là, Zoro est arrivé. C'est un Pokémon qu'il y a dans Smash, c'est pas ça? C'est Banger son évolution, très bon, stylé mais à chier. Ah bon? En vrai c'est stylé, il est stylé sa mère. C'est Zoro Arc, ah, j'avais raison. Let's go. D'accord. C'est pas trop mal, mais trop squishy. Ça tape bien. Il copie l'apparence d'un tel. Par contre, il ne. Ouais, il est ténèbres. Donc là j'ai feu combat, électrique, sol ténèbres, combat acier, ténèbres vol. Je commence à avoir beaucoup de ténèbres. Hein. Là, les ténèbres sont présentes, donc il me faudra autre chose, quoi. Je crois que je vais les kick. Hein. Fort mais peu défensif. J'ai vos tutrices, donc en vrai, bah, j'ai trop de ténèbres, gros. J'en ai 3 et on a dit qu'on jouait, donc j'ai mon sol ténèbres, escroco. Vos tutrices qui est ténèbres vol. Donc là, ça va faire trop. Hein. Je vais le dégager, moi. Ouais, je vais le bouger, je pense. Attends, est-ce qu'il m'a soigné Pokémon? Non, faut que j'aille soigner. Je vais aller au PC et je vais le bouger, les amis. Bah, de toute façon, ça va être bien parce qu'on va finir cette VOD au PC. C'est une VOD très chill, hein. Vraiment, on a pris notre temps. On a fini juste la Team Plasma, en tout cas pour l'histoire. On a fait quelques dresseurs, on a discuté. L'histoire est belle, quoi, Mais en vrai, sur mon équipe, je vais pas jouer ça. Je vais pas jouer ça parce que j'ai trop de ténèbres. Ça m'intéresse pas, quoi. Il faudrait un type feu. Bah oui, puisque notre starter c'est Moustillon. C'est vrai qu'on manque peut-être un peu de feu, quoi. C'est compliqué. Allez, on va sauvegarder, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève cette partie. En tout cas, du Let's Play Pokémon version noire 2. Merci à tous d'avoir suivi sur YouTube. Évidemment, n'oubliez pas le like, le commentaire, de vous abonner à la chaîne et tout, évidemment. Des bisous à tous. À très bientôt. Au revoir. Salut.